Bonjour, ici Caroline pour CineTechno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Little Monster en format Blu-ray ou Petit Monstre en français, réalisé par Abe Forsythe et distribué par Videoville Showtime Incorporated. Mettant en vedette Lupita Nyong'o dans le rôle de Miss Caroline, Alexander Anglin dans le rôle de Dave ainsi que Josh Gad dans le rôle de Teddy McGiggle. Il s'agit d'une collaboration d'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, et qui est sorti en magasin le 14 janvier 2020. C'est l'histoire de Dave, un musicien sans emploi, irresponsable et ayant un cœur brisé, qui tombe amoureux de l'éducatrice de son neveu, Miss Caroline. Il se porte donc volontaire pour être accompagnateur pour une sortie éducative à une ferme voisine pour la classe de son neveu. Un accident arrive dans le camp militaire près de la ferme, suite à des tests avec un virus qui transforme les gens en zombies. Certains spécimens s'échappent et envahissent la ferme. Suite à cette invasion, Miss Caroline invente un jeu éducatif pour distraire les enfants de cette menace mortelle et les aide à passer au travers cette épreuve sans leur faire peur et ni succomber à la panique. Ils vont avoir recours à l'aide d'un animateur d'émission pour enfants que les élèves adorent pour se sauver de cette épidémie. Dans le fond, ce film commence par un drame, se transforme ensuite en humour et finit aussi par de l'horreur avec beaucoup de suspense. Lupita Nyong'o est vraiment sublime dans le rôle de Miss Caroline. Tout en nous faisant vivre ses émotions de stress et de peur, on voit la force que l'éducatrice doit avoir pour affronter cette horreur et ne pas paniquer pour préserver l'innocence des enfants. Elle est capable de chanter, jouer du ukulélé dans un camion, le tout en se faisant poursuivre par une grosse horde de zombies terrifiants. Quant à lui, Alexander Anglin nous démontre au début un Dave pathétique, irresponsable et fuyard, qui se transforme en un homme sur qui on peut compter et qui protège ceux qu'il aime. Il en devient même attachant. Josh Gad, jouant le rôle de l'animateur d'émission pour enfants Teddy McGiggle, nous fait réaliser que malgré l'image du gentil monsieur qui est toujours joyeux et qui adore les enfants, peut cacher un visage d'un être très détestable. Ce film est disponible en haute définition, 1080p, la trame sonore anglaise et française 5.1 Dolby True HD, ainsi que les sous-titrages anglais et français sont disponibles sur ce format Blu-ray. Les effets spéciaux, les maquillages aussi sont très réalistes et on voit très bien les détails des cicatrices et des plaies des zombies et autres. Il est disponible en écran panoramique et en 16 par 9. En ce qui a trait aux suppléments, j'ai été surprise de voir la longueur des suppléments disponibles. Ils sont seulement disponibles en anglais, mais nous avons des entrevues avec une dizaine de personnes, producteurs, acteurs, costumiers et responsables d'effets spéciaux et de maquillage, qui nous donnent une bonne vingtaine de minutes chaque. Il y a aussi une vidéo d'arrière-scène de quelques minutes, mais les entrevues valent vraiment le détour. J'ai su que Lupita Nyong'o ne savait pas jouer du ukulélé au début du tournage. Elle a appris expressément pour le film et on dirait qu'elle en a joué toute sa vie. J'ai été très impressionnée aussi par le nombre de détails sur le making-of dans ses entrevues. Finalement, j'ai écouté ce film en anglais et j'ai vraiment adoré. Il m'a tenue en haleine tout le long et certaines twists d'humour de films d'horreur m'ont bien fait rire. Alors, c'était Caroline. Merci et bon visionnement.